Allô? Allô les frérots, c'est bon? C'est bon les frères? Putain, mais vous... Bah ouais, j'ai oublié de désactiver mon VPN les gars, je peux pas live avec VPN, je sais pas quoi de merde là. Oh là là, ça va ou quoi mes frères? Ça veut dire depuis tout à l'heure vous m'entendez pas? Si quand même. Je viens de me réveiller pour aller en cours et t'es en live. Je disais les frères, qui était là tout à l'heure? Pour le live de tout à l'heure. Qui n'a pas encore dormi? Moi. J'ai... Ah, ça me dit 15 mon frère, t'es encore là aussi. Eh, hey, j'ai dit quoi, ça me dit 15? Est-ce que j'ai pas tenu ma parole? J'ai dit quoi? Je vais au sport, je reviens, bats les couilles. Je suis un charbonneur, moi, mon ref. On finit la school, mon gars. Pourquoi je live? Parce que bah, d'habitude tu fais ça hors live, tu vois, mais là frérot, bah là frérot, je suis là, je peux live sur qui que ce que je fais, donc bah, pourquoi pas? Pourquoi pas mon gars? Juste pas que la porte, est-ce que là-bas la porte? Ouais, ça va, enfin il y avait la porte aussi, ok. Let's go. C'est à peu près bon là, non? On est au milieu, hop. La distance là-bas, c'était comment? Ok. Ok, bah, en tout cas, bah, les frères, bah, au moins vous réveillez avec moi avant de partir en cours, comme je disais, vous entendez ma voix pour vous porter chance. Les gens qui vont bosser, bah, bonne chance. Hein. Comment ça, tu go travailler, Gip? Tu vas faire... Hey, tu travailles dans quoi, toi, mon petit Gip, avant que tu pars? Fais quoi comme boulot, toi? Yo, Astrali. Réveil à 3h du mat. Il y en a, vous avez pas encore dormi? Qui n'a pas encore dormi? Franchement. Peintre, bâtiment. Ah ouais, courage mon frère, courage. C'est pas facile à mon avis. Hein. Puis syndicat, toi je sais. Alors c'était comment à peu près là-bas? Je regarde. Vu qu'on peut pas dupliquer directement. À peu près comme ça, ok. Donc encore un petit peu plus devant comme ça, à peu près, voilà. Hey les gars, vous êtes chaud, attendez. Voilà, pub, hein, faites pas attention. Je suis ton live dans mon bureau. Ah ouais, tu fais quoi toi, Jibril Long? Tu fais quoi comme boulot, mon ref? On bosse ensemble là alors. Et ça y est, les gars, vous allez en boulot, ramenez-moi avec vous. On bosse ensemble, les gars là. Chacun fait son truc. Lui, c'est un bon. Oh la pub! Je vais te baiser la pub à force! Les gars, vous êtes des fous, vous dormez jamais ou quoi? Moi, on sait que je suis pas humain, les gars, mais vous, franchement. Ça chante pas depuis 3h du mat, les gars. Vous avez vu? Je fais pas les choses à moitié, au moins je finis un peu le mapping là. Attention, ça veut pas dire que je vais... Je vais live longtemps non plus, hein. Mais au moins je fais encore une classe, tu vois. Même à l'école, je regarde. Ok. Moi, j'ai pas dormi, je suis québécoise. Il est 1h du matin, courage à moi. Ah ouais, ok, bah force. Et c'est toi? Je prends le bus pour le lycée, gros. Fais attention, mon ref.
Merde. On va après un peu mettre un peu plus devant. J'en peux plus, j'ai tout le temps j'écoute les mêmes musiques, faut que je trouve une autre musique là. C'est pas ça qui va me concentrer. Ok! Salut! Ouais, Juju, tu fais quoi? Comment tu me suis là? J'ai pas de cam, tu peux pas dire que je suis BG? Ah, et pro, il est devenu Msoniac. Non, je charbonne, c'est tout. Je suis dans le train, force à toi. Mais, ah, et promis, je suis dans le bus du lycée et toi, tu live. Il y a plein qui vous êtes dans le bus, ouais! Mais laissez-moi, les gars! C'est pas comme si vous allez rater quelque chose, les gars! C'est live mapping! Eh, c'est live chill, hein! Ici, il y a. C'est normal, je sais, vous pouvez pas regarder, mais ça, c'est pour les chômeurs comme vous, là, comme Syndicaz. Enfin, les chômeurs, c'est pas un chômeur, il bosse la nuit, lui, tu vois. Le mec, il bosse la. Voilà, t'as rien à faire, tu vois. Excuse-moi, Syndicaz, je t'ai pas respecté, t'es un bosseur, toi. Tu vas prendre un kebab? Tu vas prendre un truc à manger? Y'a quoi à manger là-bas, s'il te plaît? Là, j'ai la dalle, là. Pas te cacher, hein. Et non, Sandy Case. On est là en charbonne, hein. Eh, vous voulez rire par rapport à Fabs? Il m'a envoyé. Parce qu'il a exporté son trousse. Son trousse, il faisait. Il était pas optimisé, il était lourd. Et il m'a dit. Attends. Il m'a dit. Non mais laisse tomber frérot, c'est déjà bien comme ça ton mapping, moi c'était pas... C'était pour m'amuser, t'inquiète. Il a découragé frère, il casse les couilles, je vais faire mon trousse moi-même. Hein. J'ai oublié, la clim il fait tousser frère. Les gars, j'ai enfin ma clim. Un kebab à 9h30, iPro, t'es chaud. Ben oui, frérot, parce que je suis déréglé, dis-toi. Là. Là, pour moi, on est vers... Là, pour moi, on est... On est 17h. Pour moi, là, on est 17h, là, mon ref. Même si c'est par à côté, on peut mettre l'autre ici, hein, histoire de ramper un peu les refs. Les gars, hey, si vous avez rien à faire, on fait comme tout à l'heure, les... Vous m'envoyez des props, hein. Des nouveaux, ça serait bien. Arrête, mais frérot, tu comprends rien, je suis déréglé, je suis réglé, je suis à l'inverse, moi. Je vis comme un Québécois, moi, tu as vu? T'as rien compris ou quoi? T'as rien compris, mon ref. On a cours. C'est bien, c'est bien. Vous êtes des bons gars. Zebi, j'ai pas copié ou quoi? La fenêtre là-bas, du coup, on met ici. Un peu serré, hein.
Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas bien grave, les gars, hein. Va dormir, frérot, il est 8h, laisse-moi tranquille. Alors qu'à la réunion, il est 9h32, exactement. J'espère que tu vas pas me faire des lives comme ça tous les jours. Et pourquoi tu... Pourquoi et pourquoi pas, mon ref. Pourquoi... Pourquoi pas, mon ref. Tu veux la school ou tu veux pas la school? Arrête de me porter l'œil, toi, hein. Je le dis, hein. Commence pas à me porter l'œil, toi. La salle, on dirait un peu plus petit. Oui, il est un peu plus petit. Au moins, ça va se remplir vite, les refs. C'est bien les lives matinales, ben bien sûr. Il y a tous mes modos qui dorment, frère. Faut que je cherche des modos matinales. Les gars, ce soir, n'oubliez pas, ce soir, je reprends. Ce soir, je tourne la cinématique. C'est pour ça que je charbonne bien, là. Parce que je vais faire une pause niveau mapping. Et au moins, j'avance bien. Mais je vais pas live longtemps, là, le matin. Hein. Après, ça va me niquer trop. Un petit 2 heures comme ça, tu vois. Ou peut-être moins aussi, je sais pas, je verrai. Je vais pas vous cacher, je suis fatigué quand même. C'est juste que j'ai envie de charbonner pour au moins ça, on sort ça au plus vite, tu vois. Et le boss, merci pour tout. Merci, merci, mais c'est rien, t'inquiète. Hein. Bah, tout le monde va kiffer, hein. Moi j'ai peur pour mes yeux, c'est ça qui me fait chier. Moi. Enfin, j'ai pas peur, ça me fait chier à chaque fois que ça arrive. Ça. Mais tranquille, on va faire ça tranquillement. En vrai, une fois qu'une salle crée vite. Mais en fait, j'aurais tellement aimé prendre, par exemple, tout le bureau là avec les trucs dessus, copier-coller, mais on peut pas, il faut... Parce que regarde, je dois le placer dans la room 4 du coup maintenant. Tu vois, et si je duplique, il va dupliquer dans la room 2. Ça, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Après, on fait des petits copier-coller vite fait, et puis voilà. Là, c'est un peu les mêmes salles, un peu, tu vois. Je vous ai dit, le bas... Comme hey, l'école, en général, c'est souvent... Voilà, quoi. Même salle aussi, tu vois. Et en bas, ça se ressemble beaucoup les classes. Je vais péter les plombs, c'est quoi cette musique de merde là ? J'en peux plus ! Putain! Oh! Oh! Eh, c'est merde. Je m'en bats les couilles de ça, moi, frère. Écoutez un peu des musiques motivantes, frère, attends.
Épique, je vais écouter un peu des musiques épiques là. Moi ça me motive. Fils du pute de pute, putain, mais ça suffit! Allez, maintenant les gars, je tryhard des gars. J'aurais dû faire un live sans micro, vous allez voir. Juste ma ping tryhard. Regardez. Là, je parle plus. Ok les gars. On charbonne les gars, on charbonne. La musique. J'aurais bien aimé prendre tout d'un coup, ça, tac, tac, tac. Mais il faut que je copie un par un, tu vois. Faut aller dans le, mettre dans le room. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Sandikaze. Faudrait qu'on fasse ça pour une autre salle. Genre des fois même c'est les tables ils sont en mode U tu vois ou en un cercle, je sais pas, j'avais vu à l'époque c'était comme ça moi dans mon truc technologie. Je vois ce que tu veux dire. On fera ça pour d'autres salles, ok? Je vois ce que tu veux dire. Putain mais je vais péter les plombs à chaque fois, je duplique, il baisse le fils de pute. Oh. J'ai le fils de pute un peu trop facile, excusez-moi. Tout dépend du prof, exactement. En fait, c'est que je prends au milieu, en fait. J'ai compris pourquoi. C'est la fatigue, ouais, désolé les frères. Excusez-moi pour mon manque de respect. J'essaie de me contrôler, les gars. Battle.
Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais deux profs au lycée avec le pire nom de famille. Ouais, bah bravo, toi. Ça, je pense que tout le monde avait ça. C'est pas frérot. Hein. Par contre, là, ça va faire beaucoup vide, là. Bon boulot à toi, W2 Tape. Bon boulot, mon ref. Courage, courage. N'abandonne pas. Oh, j'ai trop mal au bras, frère. La salle, ça tue. Hein. Vous savez quoi, on va tout prendre d'abord. Au moins, on est tranquille. Oh, triade activée là, les frères. Je vous lis de temps en temps, vous inquiétez pas, je suis là. Hein, j'arrive, hein, je suis là, vous inquiétez pas, les frères. Parlez entre vous toujours, les frères. Parlez entre vous toujours. Hein. Je suis là, moi. Hein. No problème. Vous avez capté, hein. On bosse. Hein. Là, après là, je fais ça, je fais ça, hop, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Lui, il a son marqueur. Lui, il a son marqueur. Ok, High Pro, la school, tu vas le faire où? Comment ça, je vais le faire où, frérot? Attends, Foxy, t'es con ou quoi? C'est toi, Foxy? Tu veux que je fasse ça où? Tu veux que je fasse ça où? Sur Red Dead? Me fais pas un clash, me fais pas rage, quitte mon live, hein. Je le dis, hein. J'étais pas prêt. Je suis à l'ouest. Le matin aussi. Ouais, t'inquiète, je vais travailler demain. Là, c'est vraiment... Voilà. Pour les gens qui veulent regarder, vous regardez. Voilà, c'est tranquille.
je viens de me réveiller, là je pars au travail, première fois. Je... Ok. C'est... Ouais. L'école ça a changé maintenant, des PC en cours. Bah c'est même IRL, c'est comme ça. Moi, dans le temps où j'étais en lycée, on avait des PC maintenant. Linux, l'État, ils offraient, là, vous vous rappelez? Je sais pas si vous, c'était comme ça aussi. Moi, la Réunion, ça nous offrait, arrivé en lycée, ils t'offraient des PC. Mais le PC, il était bridé. Et moi, je débridais le PC, tu vois. Je l'ai mis... On était obligé de le laisser sur Linux. Moi, je l'ai mis sur Windows, moi. Je les ai carottes. Eh ouais, mon gars. Bien évidemment. Ben, qui vient avec une règle comme ça à l'école, wesh? Combien de centimètres, ça? Les profs, ils viennent avec ça. Hein. Copier une table devant, hop, on refait pareil. Je viens ici. En tout cas, bon courage les gens qui vont au boulot. Et au cours, pense à vous les frères. C'est bien, il faut travailler, c'est bien. Je suis crevé, y'en a, ils vont dormir. Vas-y, Shelf, dors bien, mon ref. Bah ouais, c'était cool, Syndicaz. On a appris, on a fait ensemble, c'était drôle. C'est juste dommage qu'on voit pas au final. Mais je verrai à la fin si on peut le changer. On peut, hein. On peut augmenter la qualité, on peut voir, tu vois. Eh, mais regarde, déjà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on... Il faudrait qu'on mette un truc là. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici, là, pour remplir le mur, sur le mur. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Non, j'ai pas encore dormi, Raze. Oh, déjà l'horloge, hop. Déjà l'horloge, encore une fois, il sera de ce côté-là même, hein. Au milieu de la salle. Comme ça. Et okay. Le problème, il faut mettre des cadres parce que là, tu vois. On peut pas mettre des IR. C'est au ras là, tu vois. Il faudrait mettre des étagères. Comme on a mis ici, hein.
Parce que vous en pensez. À voir. Et la musique. Souvenir les gars, souvenir. Ça me parle ça, j'ai déjà mis ma voix là-dessus. Les images en rapport avec la matière, ça sera après qu'on fera les métiers, les trucs du métier, tu vois. Par contre, j'espère que... Ouais, c'est bon. Je veux pas que je duplique. Et ouais, Aogiri. J'aime trop ça, le mapping. Quand j'ai une idée dans la tête, bah, il faut que, voilà quoi, il faut que je le fasse. Appréciation ces musiques nostalgie les gars. Apprécions-les. Question peut-être bête, mais imaginons que vous êtes deux mappés, vous pouvez travailler en même temps sur le même dossier. Non, on peut pas. Non, on peut pas, frère. Pour ma famille! Pour le Gump Double! Ah! Sur le mur, mets une carte du monde. Je l'ai fait en plus, je l'ai modélisé. Merde. Je pense que je vais la remettre. Hein, pour remplir. Je jure, ça c'est une bonne idée ça, Sandy Case. Faut laisser des easter eggs comme ça au pire. Moi je vais mettre ma photo aussi, moi. La photo de... Pas... Là, belle celle que j'ai sur Kick là. La photo de profil, cette image là. Je vais mettre ma signature, tu vois. Ma signature.
On mettra des références à poils de carotte dans les cadres et tout, tu vois. Vu qu'on n'a pas pu faire sur le truc, on fera des meilleurs, t'inquiète. Regarde le stade juste en dessous, wesh. Dinguerie. Imagine, j'aurais fait une vitre, on voyait le stade depuis en dessous pendant la classe. Mais non, jamais. Ça a déconcentré les élèves, ça. On n'est pas dans une villa de luxe, là, on est dans une école. Si c'était une villa, ouais, pourquoi pas. Dis pas alors si tu veux pas nous dire. Les gardes avaient des anciens schools. Anciens élèves. Poil de carotte. Ah, je mets juste poil de carotte, mon frère. Je crois que je me cassais la tête à refaire toutes les autres persos. Tiens, yeah. Travaille là. Dans un instant. Cette musique. Oh, avant qu'ils partent au combat. Battons-nous ensemble. Ensemble, on est plus fort. Avant, j'avais un micro de merde, par contre. J'ai besoin de vous. Je ne réussirai pas seul. Ensemble, on est plus fort. C'est notre destin. Go! Pour les Flash! Vous vous rappelez ou pas, Daemon? Ça, c'est Rocky. Je place désormais... Ah, je sais plus comment il a dit ça. C'est beau, hein, c'est beau, les gars, c'est beau. Personne n'a eu la ref, là. Personne n'a eu la ref, à part moi. Tu cries de le matin. Désolé, mon ref. Je t'ai réveillé. Je passe à présent tout entre vos mains. Vous pouvez le faire. Oh, il a dit un truc comme ça, je sais même plus. Je sais même plus, mon. Une salle de cours abandonnée, ça pourrait être cool. Oui. Mais j'hésite, ici, on fait une salle où il y a que des. Ou quoique, tu sais, des fois, on doit récupérer des télévisions, on doit récupérer des trucs, une salle où électronique, je sais pas comment vous expliquer ça, où les élèves doivent récupérer des trucs pour avoir les clashs. Je sais pas comment on appelle ça. Un peu apocalypse, ouais, ça on verra dans les passages secrets, ça, mon ref. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Bah, tu sais quoi,
Bah, les livres là, voilà. Simplement. Faut se casser la tête, hein. Il faudra qu'on fasse une bibliothèque après et tout. La bibliothèque, hein, vous imaginez bien. Il y aura des choses cachées là-dedans. Hein. Ça, même si je vous l'aurais pas dit. Hein. Vous l'aurez douté. Chaque problème une solution. À vrai les gars. Après, tu sais quelle est la clé la plus forte qu'il existe? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Pas compris, mon ref. Ouais, il y aura une autre school. Exactement, mon ami. Mais entre moi. Entre nous, quoi, tu vois. Oh, j'en ai marre. Putain de code walker de merde, parfois, wesh. Ingré. Je sais pas ce que t'as derrière la tête à faire ça. Hein. Pas d'inviter, mon ref, c'est les whitelists. Hein. Faut passer les whitelists et. C'est pour notre communauté. Et surtout pour moi, frère, parce que j'aurais pas le temps de m'occuper d'autres streamers, d'autres youtubeurs. Des trucs comme ça, là, j'ai envie de kiffer et. Non, ça crée que pour moi, tu vois. Ça, c'est pour la commis, voilà, c'est ça. Parce que sinon, si j'invite des gens, faut que je sois animateur, je dois... Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est bien comme ça. Ça, c'est ça. Et ouais, aéroflash. C'est quoi, on peut remettre ça, hein. Après, on va changer les frais, hein, quand on va mettre les trucs modés là de Ryuma. Là, pour l'instant, vu que j'ai pas d'autres trucs, je mets ça.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ici, les frères? Book. On va voir ce qu'il y a comme book. Ah, il y a plein de book, hein. Mais wesh. Ouais, il est... Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. C'est ça qu'on veut, les gars. Putain, c'est trop petit. Mais pourquoi on m'a pas envoyé ça tout à l'heure? Regardez tout ce qu'il y a. Non, mais ça rentre pas de toute façon. Ah, ça rentre pas, hein. En plus, je fais de la merde, attends. En plus, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai plein de livres, les gars. Regarde tout le nombre de livres qu'il y a. Le seul problème, c'est qu'ils ont pas d'étagère. En gros, faudrait que je l'importe dans 3D et je refais les étagères avec. Et pas là. Voilà. On est plus offensif et combatif sur le terrain. Ah, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus. C'est bien là, non? On verra après pour remplir les étagères, mais sinon là c'est bon. Eh ouais, motivé, pas le choix, faut charbonner, hein. Regarde, il y a d'autres livres ici, frère, je vais péter les plombs. Ah, ça, c'est la musique. C'est bon, ça. J'ai charbonné avec ça. Les livres sont bien faits, mais... Ah, je crois que ça rentre pas. Hein.
T'as des mains en or. Merci. Mais quoi c'est... Quand tu dis ça, mon ref. Dans tout ça, j'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Les gars! Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? En vrai de vrai, je peux faire la salle du concierge, hein. Il est petit. Alors, ça c'est le room 3. On va faire spawn tout et on va voir. Pour le ménage, ouais. Je sais pas, je verrai. Non, je pense pas. Les cinématiques, le fait. Voilà, c'est autre chose, ça, tu vois. Oh là là, ça donne envie de regarder Pirates Caraïbes. Pourtant, je l'ai revu, hein. Je suis inspiré là, les frères. C'est au tac au tac. Par contre, il y aura la collision, on pourra pas aller jusqu'au bout après, hein. Yo Kaiser, ça ou quoi? Comment on dit ménage ou des trucs comme ça, les gars? Ouais, je l'ai lancé vite un peu là, un petit peu pour. Balai, tout ça, comment je peux écrire là pour avoir les trucs de ménage là? Clean, ah bien vu mon frère.
Ah ouais, mais y a pas grand chose. Faudra qu'on fasse les. Faudra qu'on fasse les toilettes aussi après. Hein. Me trouver des noms, les gars. Oh, faut qu'il y ait des trucs de ménage là. L'équipe, hey, l'équipe qui travaille, qui m'envoie les props, il dort là, fait chier. Hey, il m'aurait tellement régalé. Il dort. Miskin, les pauvres. Faut laisser dormir aussi. Une salle de jeu pour les élèves, on verra après mon ref. Oh, c'est nul ça. Attends, j'arrive. T'inquiète pas, je sais pas si je mets des outils. Récit un peu. Hein. iPro écrit household. Je vais voir dans un instant. Ah, ça! Petit chariot comme ça là. C'est bien ça. Ça, c'est les trucs outils, c'est plus pour l'extérieur, ça, les gars. Si je fais une salle de concert d'extérieur comme j'avais fait pour la DNS School, tu vois. Là, c'est plutôt les trucs d'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire Ah, serpillère, là, ça, c'est bien, ça. Il m'a dit écris ça, je sais pas quoi, attends.
Ok, je vais écrire ce que tu m'as envoyé. Household. Y'a rien. Vacuum. Je pense pas qu'il y aura. Non, y'a pas. Ah si. Wesh. Je savais même pas qu'il y avait un aspirateur. J'ai pété les plombs. Bien joué mon ref. Ça, normalement, ça met à l'extérieur, mais j'ai mis ici hein, pour remplir parce que frère, il n'y a rien, les gars. Je vais mettre des caisses. Réfléchissez à ce qu'on peut mettre. Hein. De toute façon, là, je fais la base et après, on trouvera d'autres idées. Hein. Un peu de carton qui traîne. Non mais là vous m'envoyez des noms mais il faut qu'il y a sur le site. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mine de rien déjà. Ça remplit vite hein. Ça, on va enlever. Parce que ça, c'est plus de poids extérieur. Je suis au boulot. Tu fais quoi, Killing? C'est quoi comme boulot, mon ref? Dans les magasins? Quel magasin? Au champ. Ah ouais, lourd! Et tu fais quoi? Tu classes dans les rayons? Mettre un délire comme ça aussi, non? Jure. Les boulangeries. Les boulangers. Putain, tu me donnes faim là. Dinguerie les gars. Comment on dit tâche? Attends, il peut avoir des caisses vides. Stein, ok merci. Comme ça, peut-être il y a des... On met des tâches, on va voir. Ok parfait, il y en a. Ouais mais c'est pas... Non c'est pas trop bien. Bon, c'est dans tous les sens. Ça je ferai en 3D. Le truc c'est que... J'ai pas grand chose des flashs hein.
Les trucs que j'ai, c'est des trucs que vous pouvez l'acheter. C'est moi, moi je l'ai acheté. Et ça marche que par CFX, hein. C'est, je peux pas vous donner. Même si je vous le donne, vous allez pas pouvoir l'utiliser. Le de Jack, bah c'est déjà partagé ça. On peut le trouver hein. Bon, on va aller tester. Eh ouais, Edwin. Ça charbonne ici, mon frère. Pendant l'équipe qui bosse, ils dorment. On leur fait plaisir. Ils ont bien bossé hier soir. J'avance un peu pour eux, tu vois. Ils m'ont bien aidé. Il manque, hein. Ça me manque l'équipe qui m'envoie des trucs, là. Ah, trop tard, porte l'œil, je vais tester là. En une heure, on a fait deux salles, les gars, quand même. Bon, les salles, on va les compléter encore. Hein. Mais on a fait la base. Je t'aime. Moi aussi. Je spoil pas, mais l'oiseau à l'entrée, c'est le phénix de Aaron. On va faire un easter egg avec ce truc, à mon avis. Les gars, je suis un peu con. Je mets le mapping, mais je restart pas le serveur. Excusez-moi. Voilà. Hier, t'étais là, hier soir, Edwin, jusqu'au bout? Ou tu t'es endormi, toi? Je crois que tu t'es endormi, toi. Salut, je suis nouveau, c'est quoi le but? Là frérot, je suis en train de mapper la school. Une school RP sur GTA. Pour un grand projet. En vrai, ça tue le grand retour de la school nostalgie avec Greg Moukad, ouais. Alors, on a fait cette salle. Ça, on a déjà vu. Incroyable. Merci, merci. On vient de faire celle-là. Incroyable. Chose que j'étais sûr. Ça, il n'y a pas de collision. On ressent. Vous voyez quand la caméra il passe là, à travers, ça veut dire qu'il n'y a pas de collision. Et ici, ça va être... Oh la musique nostalgie putain. Ici ça va être la salle de concierge qu'on va bien le travailler après. On a mis quelques trucs, au moins on sait que ça va être la salle de concierge. Parce que vu qu'il est pas très grand, on fait une salle de concierge. L'infirmerie on va l'installer après. Ça va être quand même une salle assez grande quand même tu vois.
J'aurais dû mettre des sacs poubelles, bien vu. Bien vu, bien vu. On va mettre après. Hein. Du coup, prochaine étape, mapper celle-là. La room 5, du coup. Ça, il est grand quand même. Hein. On pourra faire un beau truc ici. N'oubliez pas, quand ça clignote comme ça, c'est parce que la porte, il bouge encore. Que ça charge pas tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Optimisé à fond. Hein. Ouais, ici, il est un peu plus grand, la salle. Du coup, on va pouvoir faire... Parce que vraiment, là-bas, c'était trop petit. On n'aurait pas pu faire une classe. Et une petite salle de concierge, ce serait parfait. Ici, ça va être la cantine. Ça, le haut, on va le changer parce que ça passe pas avec le sol, je trouve. Il faut enlever la collision qui est là aussi. Petite cantine tranquille, quoi, tu vois. Pas fait trop grand non plus, hein. Oh là, le serveur Minecraft, il est en H16 pour l'instant, je crois. Oh, il y a déjà un professeur. Deuxième salle de fée. Je sais pas si vous avez screen tout à l'heure, je vais aller voir. On va voir si vous êtes des bons Mahamai. Y'a personne qui a screen. Eh, bande de moukache, vous avez dit de screen, frère. Ils étaient tous fatigués. Ah, j'ai oublié de mettre la carte aussi. J'aurais dû la mettre ici au milieu. Ah ben non, j'ai mis ça à la place. Ok, parfait. Suffisant, hein. Ah merde, j'ai trop... Rapprocher les chaises. Ah non, c'est bon. En fait, faut que tu fais un peu sur le côté comme ça. Oh. Dans tous les cas, il monte comme ça. Hein. Et il y aura le script. Tu pourras sélectionner la chaise comme ça. Tu vois? Tu pourras sélectionner la chaise et tu pourras t'asseoir. Bon, on va se casser la tête. Le truc, y a pas de collision, ça m'énerve. Je le ferai après. Incroyable, hein. Je croirais vraiment à dans une école, les gars. Monsieur ! Ouais, je connais ça, porte pas de l'œil, je connais c'est quoi. Des sacs de cadavres, ça, je connais. Il y a des sangs, ouais, je connais. C'est de la torture. Ouais, il y aura des profs. Je vais te montrer Skins, vu que t'es nouveau et t'as pas vu, je vais te montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Il y aura des profs. En gros, là c'est des cas... En gros, pour les gens qui savent pas... Le Discord, il est quasiment fini. Pour les gens qui savent pas, en bas, ça va être des classes basiques. Genre des classes un peu... Voilà, juste les salles, ils se ressemblent un peu comme dans l'école, tu vois.
Ils se ressemblent, les salles. C'est pour ça que j'en ai déjà fait deux. Et quand tu montes en haut. Les salles, ils sont un peu plus grandes, donc on va faire avec un peu de travaux pratiques. Bon, c'est pas encore fait en haut, hein. Les textures sont... Les pièces sont... Ça n'a encore rien fait. Ils sont plus grandes, on va pouvoir faire des travaux pratiques avec. Des salles un peu spéciaux. Spéciales, quoi. Ouais, là-bas, hein. Après, encore une étage pour l'administratif. T'as encore rien de fait. On fait étage par étage. Mais au moins, j'ai déjà fait la base. Ici, ça sera le bureau du directeur. Après, il y a l'étage du bas, enfin c'est pas encore le sous-sol, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. On descend quoi. Là, j'ai déjà tracé, j'ai déjà mis les contours, je vais faire des pièces aussi là-dedans. Des grandes pièces, il y a le terrain de foot. Les dortoirs, ça sera dans l'autre bâtiment à mon avis. Hein. Pas un foot d'intérieur. Tu peux observer d'ici dans la vitre. Descends encore. Les textures ici, je vais les changer. Je vais faire comme je vous ai dit, je vais mettre en mode urban street. En mode FIFA street. On va faire les cages, on va faire tout après. Mais franchement, hein, on a bien bossé, hein. J'ai charbonné de ouf, hein. La taille du mapping, frère. Attends, on peut pas voir, attends. Ouais, ouais. Un regroupement de profs, salle de réunion, je veux dire. Salle de réunion de profs par an. Ça sera salle professeur, ça, à mon avis. Hein. Ok, syndicat, merci. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que toutes les rooms sont séparées. Ça va être optimisé à fond. Après, j'ai hâte de commencer celle-là aussi. Hein. Crois-le, je vais faire une école. Je vais mapper deux écoles. Enfin, je vais dire deux bâtiments. Ouais, mais je vais arriver là, Juju. Un petit live tranquille là pour faire cette pièce, au moins les abos ils suivent et les gens qui dorment ils regarderont la rediff et puis voilà quoi. Un truc avec ce truc, hein. Est-ce que dessous il y a un truc? Attendez. Ouais, dessous il y a ça, ok. Nouveau objet. Imaginez-vous. On fait rotation, on peut pas. Ça marche pas. Oh ben voilà les frères. Petit live du matin.
Oh, je suis en fait, j'allais continuer, mais je suis trop éclaté, les gars. Il faut que je me repose. On a fait trop de mapping. Dans la salle du concierge, on aurait pu mettre des trucs stockés aussi, des chaises. J'ai hâte de continuer, mais là j'ai bien avancé, je suis content. Et je vous dis, bah, à très vite, hein, pour la suite. Et j'ai déjà la fiche pour la cinématique, les gars. J'ai la fiche, hein, pour la cinématique 2. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Putain de bordel de merde. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé ce live.